On va traiter une question à propos de l'interdiction de trier pendant Shabbat, ce qui s'appelle en hébreu Melechet Borer. Borer, c'est trier, c'est assourd de trier pendant Shabbat. Mais pour que ce soit permis de faire quelque chose qui ressemble à trier, il faut trois conditions. Alors, on va rappeler le mnémotechnique et ensuite on va expliquer. Pour se rappeler des trois conditions, rappelez-vous du mot Ayal. Aleph, Yud, Lamed. Aleph, c'est Ochel. Yud, c'est Yad. Lamed, c'est Le'altar. C'est-à-dire, par exemple, si je suis en train de manger, j'ai du bon et du mauvais. Si je retire le mauvais du bon, ça s'appelle borer, trier. Si je prends le bon et je le mange, ça s'appelle manger, pas trier. Ça veut dire que j'ai voulu prendre ce que je mange et automatiquement ça s'est détaché du mauvais. Encore, c'est permis avec sa main, mais pas avec un keli. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, il faut manger comme des sauvages avec les mains? C'est sûr que non. Avec la fourchette, avec le couteau, la cuillère, c'est évident. Mais quand on parle de keli qui est interdit, on parle d'un keli qui est spécifique au tri. Comme par exemple un filtre, un tamis. Ça s'appelle filtrer, trier, tamiser, séparer avec un keli qui est spécialement conçu pour le tri. Ça, c'est assourd. Par exemple, prendre, trier avec un écumoire, avec une louche où il y a des trous. Quand on veut séparer, je vais en parler dans quelques minutes de cette opération-là, de séparer l'aliment, par exemple, du liquide avec un écumoire. Je vais y revenir. Alors, on ne peut qu'avec la main ou avec la fourchette, parce que la fourchette, c'est le prolongement de la main. La fourchette, ce n'est pas un keli qui est conçu pour trier. C'est un keli pour manger. Donc, ça s'appelle trier avec sa main quand on trie avec une fourchette. Je mange avec la fourchette, c'est comme si je mangeais avec ma main. Car la fourchette est le prolongement de ma main. Et on a le droit de prendre avec sa main. Troisième condition, c'est les altars, pour manger immédiatement, mais pas pour laisser pour plus tard. Si on prend même le bon du mauvais, et avec sa main, mais dans l'intention de manger plus tard à une autre seouda, alors ça s'appelle trier. Pourquoi? Tu n'es pas en train de manger, tu es en train de trier. Bien que tu as pris le bon du mauvais, c'est assourd, parce que c'est borer. Alors, on a compris. Manger, c'est permis. Trier, c'est interdit. Pour que cette opération s'appelle manger et pas trier, il faut répondre à trois critères. Premièrement, il faut que ce soit pour manger immédiatement. Deuxièmement, le bon du mauvais. Et troisièmement, que ce soit pas fait avec un keli qui est spécifique au tri, qui est fait spécialement pour le tri. Maintenant, je reviens à ma question, à la question première que je voulais traiter. A-t-on le droit de séparer de l'huile dans une boîte de thon? On a un mélange de l'huile qu'on ne veut pas. Et on veut le séparer du thon. A-t-on le droit de verser l'huile de la boîte? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je sépare le mauvais du bon. Le bon, c'est le thon. Le mauvais, c'est l'huile, parce que maintenant, je ne veux pas consommer de l'huile. Tout est relatif. L'huile, ça peut être quelque chose de très bien. Si je veux, par exemple, assaisonner ma salade avec de l'huile et je ne veux pas le thon, au contraire, le bon, c'est l'huile. Le mauvais, c'est le thon, parce que je ne veux pas du thon maintenant. Tout est relatif en fonction du desiderata de l'homme au moment, au tenté, quand il veut se servir de la chose. Alors maintenant, en général, lorsqu'on ouvre une boîte de thon, on veut le thon, on ne veut pas l'huile. Est-ce que j'ai le droit de verser l'huile qui se trouve dans la boîte? Alors, il y a là plusieurs éléments. Premier, c'est que l'huile qui flotte à la surface n'est pas considérée comme mélangée. Donc, il n'y a pas de issour du tout
de verser l'huile qui flotte. À partir de quel moment la question se pose? À partir du moment où on arrive au niveau de l'aliment. Là, quand l'huile est mélangée avec le thon et je veux les séparer, c'est à ce moment-là que la question commence à se poser. Et verser l'huile, en effet, c'est assourd parce que ce qui se détache de l'ensemble, c'est ça l'objet trié. L'huile que je vais verser, eh bien ça s'appelle que j'ai retiré le mauvais du bon, c'est assourd. J'ai le droit de prendre le thon et laisser l'huile, mais je n'ai pas le droit de prendre, de retirer l'huile qui est mélangée au thon. Parce que là, ça s'appelle trier le mauvais du bon. Retirer le mauvais du bon, c'est assourd, c'est ça trier. Alors qu'est-ce que je peux faire? Soit je prends directement le thon, soit je mets tout dans une assiette et je prendrai le thon et je laisserai l'huile. Maintenant, qu'en est-il de cornichons ou des olives qui sont mélangées dans le bocal de... Dans le bocal, il y a de l'eau et des olives. Il y a de l'eau et des cornichons. Est-ce que j'ai le droit de vider le contenu de la boîte de cornichons ou d'olives? Alors écoutez un chidouche. Des grandes choses ne sont pas considérées comme mélangées. C'est considéré comme déjà séparé. Les cornichons, des gros cornichons dans un bocal d'olives, même si c'est dans l'eau, c'est pas considéré comme mélangé. Parce que c'est tellement grand que c'est défini à part entière. On voit que c'est séparé de l'eau. Il n'y a pas de mélange. S'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas le issur de trier. On a le droit de verser le liquide, l'eau de conserve, qui est dans la boîte de cornichons, puisque les cornichons sont grandes. Qu'est-ce qu'on appelle grand? Les poskim donnent une définition à la grandeur d'un aliment. Ils disent à partir du moment où ça a le volume d'un égoz, d'une noix. Si ça a le volume d'une noix, c'est considéré gadol. Plus petit qu'une noix, c'est considéré katane. Et donc, par exemple, des olives, c'est plus petit qu'une noix. Si j'ai un bocal d'olives, tant que l'eau déborde en haut, je peux verser. Mais dès que ça arrive au niveau des olives et qu'il y a un mélange entre le liquide et le solide, à ce moment-là, c'est assourd. Là, je dois prendre les olives et laisser l'eau. Ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, tu mets tout dans une assiette et après tu prends tes olives. Donc, si c'est inférieur au egoz, c'est assourd. D'accord ? Si c'est supérieur à egoz, c'est moutard. Et c'est moutard, même avec un écumoire. Pourquoi ? Par exemple, vous avez dans la dafina des grosses pommes de terre, plus grosses qu'un egoz. Vous avez le droit de prendre avec une louche, vous allez, avec une louche plutôt, un écumoire. Vous allez me dire, mais l'écumoire, c'est fait justement pour séparer le solide du liquide. À quoi ça sert l'écumoire ? Donc c'est un keli qui est spécifique au tri. Oui, c'est vrai, mais si on pouvait parler de trier, mais étant donné que la pomme de terre, elle est grosse, le cornichon est gros, plus qu'une noix, c'est considéré comme déjà séparé du liquide, car il n'y a pas de mélange entre les grandes choses et le liquide, que les petites choses. Donc l'écumoire, pour retirer par exemple les olives qui se trouvent à l'intérieur du liquide, ça ce serait assourd. Mais de retirer les cornichons, ce serait moutarde. D'ailleurs, vous avez dans certaines boîtes de conserve une certaine sympathie de l'usine. Pour faciliter le travail, ils vous ont mis à l'intérieur une petite corbeille trouée qui est faite justement pour cela, pour trier. Comme ça, vous allez retirer par exemple dans le fromage, vous avez ça dans le fromage, des boules de bulgarite ou de feta, n'est-ce pas comment ils appellent ça? Eh bien, vous avez ces boules de fromage à l'intérieur de l'eau, mais dans une petite corbeille. Vous soulevez la corbeille, vous séparez le solide du liquide. Est-ce que c'est permis? Ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille. Shabbat, est-ce que j'ai le droit de trier, de séparer? Le fromage, c'est le bon. Je tire le bon du mauvais. Oui, je prends le bon du mauvais. Hazak ou Baroutiye. Tom et Od, mais pas avec un keli. On vient de dire que pour que ce soit permis, il faut trois conditions. Aleph, le bon du mauvais. Deuxièmement, pour manger immédiatement. Troisièmement, avec sa main, yad. Yad ou une fourchette, mais pas un keli qui est fait pour. Or ici, c'est un keli qui est fait pour. Alors si c'est des gros morceaux de fromage supérieurs à la taille de egoz, ce serait permis. Pourquoi? Parce que c'était déjà séparé. C'est pas considéré comme mélangé au liquide. Et donc, il n'y a même pas la notion de tri. Ce serait moutard de faire sortir cette petite corbeille de fromage de gros morceaux.